écrits télévisés et médias en ligne qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Le parti sociopolitique Viva Haïti a fait une conférence de presse ce matin pour demander avec tous les médias qui sont représentants de l'État. Mais tout pour demander avec l'État haïtien et pourquoi pas le peuple haïtien, comment se fait-il bon bande de dossiers qui fait gros tollé dehors alors que par ici, c'est presque silence ou bien blackout qui fait suivre. Nous sommes des grandes périodes, RNDDH, Père Espérance, t'es dit, M. Belroumel, il y a 3 millions de dollars américains, la baille avec Michel Martelly chaque mois. En plus, le monde t'a banalisé ça. Il t'a posé la question, côté M. Pajon, nous sommes propres pour ça. Mais je dis, hein, bon, bonne vérité commence à paraître à clé. Ça qui veut dire là, nous ne venons pas dédouaner ou féliciter les États-Unis d'Amérique pour ce qu'ils disent. Mais par contre, nous supposons, après Américain fin dit bagaille ça, les belles women qui n'ont pas fait d'armes, qui n'ont pas fait de cartouches, qui ont fait pile million, sous deux personnes qui ont victimes, qui ont kidnappé, qui ont pris balle, nous avons silence sur la société. Nous avons silence des CBJ. Nous avons silence la justice. Nous avons silence. Ou ensemble de médias, je dis, nous venons demander côté nous. Alors que tout le monde connaît le kidnapping qui tol fait pays. 11 familles ont distribué 14 âmes dans tout le pays. Ça a été secret. Personne ne peut pas connaître. Alors que nous avons victime parce que chaque jour. Dans la chaos, nous avons prisonnier ou pas marcher. Je dis, là où l'exécuteur général, la douane, non cité nos bagages comme ça, veut dire pile bagage. Parce que les amis vont dans le ciel de sortie. Cartouche et pas dans l'espace sorti. Et tout le monde connaît ça qui a passé pays. La loi ne représente pas soi. Donc je dis, comme si le commissaire gouvernement ça là, si c'était moi-même, action publique pas bien en mouvement, ou bien c'était n'importe qui qui était table là, pas bien en action publique en mouvement, on dit ça qui a passé là, comme si DCPJ, nous devons demander, pour ça, ça les contacts fait là, on croit son dossier comme ça. Nous allons nous compte, tout ce qui connaît pays a un groupe gang, nous allons nous compte. Chaque coin dans le pays a un petit groupe général. Oui. Nous rendons compte combien de monde y a kidnappé par jour. Combien de monde y a victime par balle. Là, Matisse représente un défi. Quoi de bouquet, ce n'est pas de faire la police. Il était qu'à périr. Je dis à ça arriver. Et puis, moi, je me fait lettre pour la dire bah non, rien. Moi, je suis la douane qui sont pas soi, tout le bagage passe là, dans le bah non, rien. Comment on fait pas qu'on rien? Comment on fait pas qu'on rien? Les raisons de dire pas qu'on rien? Parce que la police fait silence. La justice fait silence. La presse fait silence. Tout le monde fait silence. Et puis, il y a une victime. Ça, avec un bébé, c'est chaque matin, vous attendez. Si vous avez kidnappé, par un après ou par un corps. Et je dis, tout le monde attendait volume corps. Chaque fois que vous kidnappez, vous avez demandé. C'est 300 000, c'est 400 000, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, je dis, nous commençons à comprendre. Côté, belle joue une corps, ça, pour la payer, Michel Martelly, 3 millions de dollars américains chaque mois. Donc, je dis, vous avez compris. Comme si vous êtes président pays annoncé dans tout le pays net. Mais vous chez vous dans le pays annoncé de la donne. Et vous avez un besoin. Permettez-moi de féliciter la diaspora qui dépend de la responsabilité. Mais nous même tout pas bon ici. Ça fait nous pas de responsabilité. Nous, pour nous barrer la route avec Avadra Sayo, Malandré Sayo. Qui l'a gagné dans la situation ça? Mon pays dans le grand goût, dans la misère, dans le chômage, dans la vie chère. Il y a l'insécurité, dans le gang tout partout. Nous ne pouvons pas acheter tout. Et puis nous avons des amis à l'aise. Et puis quand il y a ça qui est grave là, Ariel Kebem, c'est n'importe qui toujours. Nous sommes toujours directeur général de la douane. Pas un monde qui dit ni monter ni descendre. C'est grave. C'est grave, oui. C'est comme si nous avons une complicité pour le peuple la victime. Un complot l'État là-dedans, à bandits. Pour le monde pas qu'à marcher. Pour le monde pas qu'à circuler dans l'arrière libre libre. Donc, vous ne connaissez pas les sables là. Maintenant, là, nous nous faisons appel. Pour nous dire, Ariel, ou déjà un kidnappé déjà comme ministre intérieur. Mais je dis à là, on ne peut pas trafiquer un zam dans le temps du gouvernement encore. Ce n'est pas possible. Nous avons déjà qu'un balai. Je veux dire, comme si le gouvernement, ça, qui modèle le monde qui l'a donné? Comme si fatra seulement. Pas pour le monde comme si vous avez retiré pour dire ça à Mio. Mes amis, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est normal pour Dominique qui a bêtisé avec Haïtien comme ça. C'est normal les Haïtiens vivent de l'autre côté pour ne pas respecter nous en tant que nation. C'est normal. Comme si nous-mêmes, nous campions, nous campions là pour le monde, pas prendre nous pour rien. Je dis à nous plus mal que Syrie, Libye, Iran, Irak et même Afghanistan. On est comme ça d'asposer en bas. Pour t'apprendre à répondre à la question, la justice, la police.
qui coupe gang ou armé déjà, qui quantité zame ou bay déjà. Moi moi bien son son yo arrêté et qu'a parlé de passer devant télévision devant toute caméra la parler, lui dit mais qui est Steven Zam, mais qui est Steven Cartouche, encore si je dis à nous venir tête sous ça pour me pas venir devant caméra tout on pas ca belle ou belle devant caméra a dit Livon Izozam Livon tu la bizam Livon barbecue ça comme si me pas voir ça tout nous pas voir ça nous pas voir ça tout comme si gros poisson y a caché et puis petit poisson eux même n'a pas vu. Comme si vous n'êtes pas dans grosse poste ça, pour t'avoir servi pour vous, pour t'avoir servi pour vous. Et puis c'est peut-être trop détruit le monde, et puis tout le monde a gardé au danger. De ça, il n'y a pas de problème, de ça, il n'y a pas de problème. Nous avons le droit pour nous mourir, c'est pour nous. Moi, je ne dis plus, je souhaite le DCPJ. Je souhaite la justice, je souhaite la police, prendre responsabilité avec les gens qui ont le bail. Je ne dis pas que les États-Unis d'Amérique ont raison de l'accuser au monde. 23 mai, nous saluons pour ça. Qui est le président de la conférence à la terre. Comme nous connaissons chaque jour, chaque semaine, nous levons, nous avons un pays qui a des événements qui produit. Et il y a des choses qui connaissons qui fait actualité dans le pays et qui rend la société invivable. C'est question de sécurité, gang, kidnapping, etc. dans le pays. Nous rappelons-nous, et CNDDR, pas voir une porte-parole lio, te dit avec nation, moun ka be pour des âmes en dans pays, ka vann zam en dans pays, gen 11 familles. Et jusqu'à présent, nous même société, citoyens qui payent taxes, permettent tout le monde qui est dans l'État à jouir des gros privilèges et nous-mêmes tout cas victimes de l'insécurité ça jusqu'à présent par aucune autorité qui est en mesure pour dire population mais qui monde qui a importé des armes qui a importé des balles vend gang yo pour tuer monde dans le pays pour kidnapper week-end là tout passé à là il y a pile qui a kidnapping en pays, particulièrement les petites fillettes. Ils ont kidnappé dans une crise. Donc, nous presque nous vivons côté, nous par contre, ça pour nous faire avec tête nous encore. Nous par contre, à qui monde pour nous adresser nous encore. Nous par contre, à qui saint pour nous adresser nous encore pour nous joindre une solution avec question et sécurité en dans pays. Pendant ce temps, et c'est avec vous. Grand étonnement pendant ce maintenant. Nous parlons sur les réseaux sociaux et puis devant, nous parlons informer et plus d'informations concernant les citoyens haïtiens. Et que l'État investit dans lui pendant 27 ans. Nous faisons salier la journée aujourd'hui. Nous voulons parler du directeur général douane Bel Romel. Depuis 27 ans, l'État haïtien a investi dans Bel Romel jusqu'à ce que lui soit directeur général de la douane. Et il s'est servi avec l'argent de l'État. L'argent taxe citoyen. L'argent taxe malheureux, malheureuse, qui a bourriqué dans la diaspora. Non seulement il y a corruption, il vole l'argent, même l'argent sale vole, monsieur pour aller investir l'argent, il a acheté ça, il a acheté balles pour vendre avec gang. Les États-Unis, ils sont arrivés à couper visa, Bel-Romel. Nous-mêmes, au niveau Viva Haiti, nous vérifions et confirmons à travers des gens qui ont bien, des amis qui ont gagné dans l'ambassade, là, de confirmer le ballon. Maintenant tout ça, est-ce que ça les États, ça ambassade l'a dit à la vérité, son vérité? Donc on a pile fois les États-Unis, ils ont toujours coupé visa les citoyens haïtiens par rapport et avec opinion politique où ils n'ont pas d'accord ensemble avec lui et puis ils font marchandage avec question visa pour couper visa ou pour faire bac. C'est ça que fait nous-mêmes, l'un des informations, l'un des informations, nous ne pas prendre pour l'évangile.
mais nous cherchons moyen de fouiller la zone dans la et l'en fouiller zone dans la nous venons joindre effectivement Belle Romel est bien et belle impliquée dans la question de vendre des armes avec gang dans le pays. Si nous rappelons que nous avons un gang 400 Barozo qui t'a sauvé, qui t'a gang dans le Saint-Domingue, nous avons les zoos, qui va être le nom de David. Monsieur a parlé avec yon nan radio nan capital la. Le a te pose monsieur question, journaliste a te pose monsieur question, côté gang 400 Marozo jwenn zam. Il te cité non 4 moun. Alors il te bay 4 références côté zam yo sorti. Il te cité yon moun ki genye pompe gaz nan kwa de bouquet. Il te cité yon moun ki rete santo. Il te cité on lot ki rete nan zone douya. Et les gens demandent qui côté zam yo sorti dans qui port, il dit toutes zam sa yo pi fòs zam 400 Marozo yo sorti dans port Port-au-Prince et c'est directeur douane qui facilite yo joindre. Mais comme son bandi, comme son gang qui a parlé, nous pas prendre ça au sérieux parce que nous connaissons gang yo souvent si y pas bâton la police pour arrêter yo, yo ka besoin accuser n'importe qui moun, yo dit n'importe qui bagage sur n'importe qui moun. Ils ont fait une patte pour une déclaration Zoa au sérieux. Et je vous dis, les États-Unis viennent confirmer effectivement que Belle Romel, directeur général douane, est impliqué dans une ZAM, est impliqué dans une cartouche. Et avec qui mon livre, c'est avec gang, c'est avec bandit. Qui côté jeune comme ça, c'est comme les volets dans la corruption dans la douane, il prend même comme ça pour l'acheter ZAM, pour l'acheter munitions, pour le vendre avec gang. Je vous dis, société a souffri dans tout le monde avec question insécurité, avec question kidnapping, avec question massacre qui a fait dans le quartier populaire. Zone Matissan qui pas jamais qu'à débloquer parce que gang yo toujours gen cop nan meyo, gen zam nan meyo, y a tiré moun yo fait ça ou vle. Jodi a c'est grave. Pour nous, moun kon sa l'état investi dans ou pour servir avec l'argent l'état pour détruire société ensemble avec. Et ça qui grave. Les États-Unis font une décision ça, ou pas senti une mobilisation contre l'État haïtien. C'est comme si son nez qui blanc pour la neige. Mais on l'autre constat qu'on fait au niveau société, et c'est ça qui est grave. Comme Belle Romel, c'est un nez qui a un gros corps dans l'argent corruption, dans la société, c'est comme si le salaire doit passer inaperçu. On dit non, il n'est pas qu'à passer inaperçu. Si c'est une bonne garantie, si c'est n'importe qui directeur général qui n'est pas gérer l'argent, leur comme ça, mon cher, so, et radio, réseaux sociaux étaient enflammés pour demander arrêter le directeur général. Ça. Mais comme M. Sonnet qui est corps de mine, qui est corruption, tout le monde peut parler des dossiers en façon pour Belle Romel pas de problème ensemble avec. Mais pas oublier, c'est chaque jour qu'on a souffert. En bas kidnapping. Je dis, si vous avez des gens qui kidnappé, si par contre qui vous pouvez porter plainte, si contre qui vous pouvez porter plainte, les États-Unis ouvrent la porte là-bas nous pour dire nous, mais qui vous mais contre qui vous pouvez porter plainte. Il y en a 11 familles qui importent des armes dans le pays pour tuer nous, pour kidnapper nous, les Belle Romel. Donc ça, lui-même, il révolte la conscience. Nous-mêmes, au niveau Viva Haïti, pour nous dire ça, nous ne pas prendre. Ni dans mes pouvoirs, ni dans mes Belle Romel. Dans quel que soit l'autre pays, on bagaille comme ça passé. Premier bagaille citoyen, ça a fait, c'est de démissionner. Ou elle qui était là toujours. Donc, il était là pour protéger tête, pour prendre prétexte comme directeur général, pour ne pas la rendre tête libre à la justice, pour la justice à poser une question.